Alors, c'est parti pour le lundi 25 novembre 2019. Lana a bien dormi, elle s'est levée à plus de 8 heures, donc c'est hyper bien. Vive les vacances. Bah écoutez, petit déj. Je suis en train de regarder encore l'épisode dans le pré, là, machin. Ouais, je suis toujours pas à fond, mais on va dire que pour le petit déj, ça passe très bien. Voilà. Une belle journée nous attend. Aujourd'hui, au programme, le programme est encore flou, il y aura juste le tir à 16h. Mais je pense qu'on va peut-être faire le sapin. J'ai proposé à Lana hier, elle a l'air assez motivée, donc je pense qu'on va faire le sapin, parce que comme en plus on part en vacances le 23 décembre, comme ça on en profite un peu maintenant, quoi. Voilà, je vous tiens en courant un petit peu plus tard. Il y a une petite coquinette qui est encore réveillée aujourd'hui, qui gratte, qui va tout me faire effondrer, je sens. Je suis trop contente, mon amour. Mon amour, t'es peut-être sortie de ton hibernation, c'est cool, je vais pouvoir aller t'acheter des criquets. Ils vont arrêter de mourir dans leur boîte. Bon alors, bonjour à tous, et bien comme prévu, on va faire le sapinou-pinou et la déco de Noël. Du coup, j'ai pas le dessus de cheminée parce que j'ai la télé, mais par contre on a tout le devant, donc je vais pas mettre autant que ce que je mettais avant, mais il y aura quand même de quoi faire. Donc on a décalé Lila. On peut toujours ouvrir la porte des toilettes sans aucun problème. Il faut juste pas la pousser à fond, mais bon, je pense que là, niveau ouverture, ça suffit largement. Voilà. Lila qui est au taquet, ça fait trop plaisir. Et voilà, on va commencer à monter le sapin avec ma titi. Et pour cela, on va se mettre une petite playlist de Noël. Et comme YouTube bloquera, eh ben, je vous mets votre propre musique de Noël. Tu veux pas mettre les musiques de Noël? Maman, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que tu fais? On a toujours notre sapin tournant. Et donc après, pour ceux qui vont encore se poser la question, les lumières du sapin sont branchées là-dessus et ça, ça tourne avec le sapin. Sinon, évidemment, ça s'enroulerait, ce serait le drame. Hein? Deux S. Deux S, oui. Alors voilà, on a fini le sapin. Je vais attaquer la cheminée. Bon, j'ai plus le dessus comme j'avais dans l'autre maison, mais je vais quand même faire une jolie déco, vous allez voir. Ça va être trop joli. Qu'est-ce que je l'aime, ce sapin. J'ai rien changé, chérie. Il doit tourner, ma puce. Et voilà le résultat. Bon, du coup, c'est très chargé là, parce qu'avant c'était entre en bas et en haut. Mais j'aime bien quand même, j'en ai quand même enlevé. Je suis trop fan, j'adore ce coin-là.
J'aime trop. Voilà, le calendrier de l'Avent qui est prêt, enfin qui est prêt, qui est là, qui est complètement vide, que je n'ai absolument pas commencé. Voilà. Et le petit sapin qui tourne comme d'habitude. J'avais oublié à quel point ça prenait de la place. En fait, la largeur, je savais que ça allait bien, mais alors la profondeur, mon Dieu, ça prend une bonne partie du salon. Et je crois que ça bloque à certains endroits, donc je pense qu'on va un tout petit peu, ouais, vous voyez en bas là, on va un tout petit peu encore décaler Lila un tout petit peu. Et voilà, je suis trop fan. C'est les mêmes décos que depuis des années et des années, hein, à part que j'achète quelques nouveaux ornements. Sinon, c'est les mêmes chaque année. Donc vous les connaissez. Et voilà, je ne vais pas refaire un plan au réflexe parce qu'en fait, c'est exactement la même déco que les autres années, quoi. Et voilà, je trouve qu'on en a pris vachement de temps. Oh, mon Dieu, je comprends. Lana m'a dit qu'elle avait faim. Je comprends. Il est tard, ça a pris trop de temps à faire ça. Ouais, papa, il est en call. On va voir ce qu'on mange, ce qu'on fait. Je vous tiens au jus, évidemment. Bon, ça va, t'as vérifié aujourd'hui? Oh. Et en fait, c'est la commande était exacte, c'est bien? En fait, la fenêtre de papa, il n'allait pas comme ça, il allait tout. Et je me demandais comment il a refait pour remettre comme ça. Du coup, Nico, il veut acheter. Non, mais c'est toi qui dis là. Il veut acheter le nouveau camion de Tesla. Le truc qui va sur Mars et qui est. Moi, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve ça immonde. Je vous mets une photo pour ceux qui n'ont pas suivi. On est des fans de Tesla ici. Enfin, on est des fans d'Elon Musk plutôt que de Tesla. Regarde comme c'est beau avec le sapin derrière. Oh là là, c'est beau, mon amour. Ouais, j'ai raison. Ok, tu remontes tes manches. C'est Christophe. Bon, allez, bonne. Ah oui, parce que. Attendez. Peu n'importe quoi. Attendez. Oh, oui, on va ranger les cartons. En fait, Code Urbana, on a Fresh Beef, mais Big Mac, non, on avait de la merde, c'est ça? Ouais, c'est ça, on avait du congelé. On dit pas le mot merde. Sven. Avant, t'avais Sven. Ah, t'avais eu Sven, et ben voilà. T'as le duo infernal. Super. Allez, bona, pétiche. Bon alors, il est 4h-10, je vais pas tarder à aller au tir, on part dans 10 minutes, du coup je lui fais cuire des pâtes parce que on n'a plus rien à manger et il faut qu'elle mange, pardon, oh, elle finit comme d'habitude, oh. Et il faut qu'elle mange au tir ce soir parce qu'elle a tumbling. Je pense que ce soir le tir ça va être intense, ils vont tout reprendre ce qu'ils ont fait à la compète et voilà, faire des commentaires sur un peu tout, revoir ce qui va pas, machin. Après, il y a des trucs qu'elles ont mal réalisés à la compète, quand en normal, elles font bien. Donc, tu vois, c'est pas un truc qu'elles font tout le temps, quoi. Donc, c'est pas un truc qui est corrigeable vraiment. C'est juste que sur le coup, elles devaient être un peu stressées et que voilà, c'est pas passé, mais bref. Ouais, du coup, je vous ai pas beaucoup pris. Hein. Ben, en fait, de faire la déco, là, ça m'a pris. Vous, ça a dû prendre une minute dans le vlog. Moi, ça m'a pris des heures, quoi. Ça a pris bien une heure, deux heures. Oh, il y a un cadre qui est tombé. Faut que je l'en mette. Donc voilà, c'était un lundi assez tranquille. Anna, du coup, elle s'est bien posée. Et ça, c'est cool. Nico, il bosse. Il est en call. C'est pour ça que vous l'avez pas beaucoup vu aujourd'hui, au final. Heureusement qu'il est en congé officiellement. C'est bien. Il pose des jours de congé, mais il bosse. J'adore. C'est Nico, ça. C'est normal. Donc voilà, bah écoutez, on va tirer, enfin Lana va tirer. Moi je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais rester, je vais la regarder. Je vais me poser sur le tel et puis je vais lire vos commentaires suite à mon vlog d'aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de commentaires et de retours, de réactions. Et ça va m'occuper pas mal de temps. Je me suis téléchargé des vidéos aussi sur YouTube à regarder. Alors moi j'ai l'option de télécharger les vidéos, je pense que c'est parce que j'ai YouTube Premium. Vous savez, je paye, je crois que c'est 10 ou 15 balles par mois. Avec Nico, on paye ça une fois. Et on a Google Music et YouTube Red sans. Bah, je crois que ça s'appelle Premium, maintenant ça s'appelle plus Red. Sans pub. Donc du coup, et t'as l'option de pouvoir télécharger les vidéos. Donc ça, c'est cool. Comme ça, je pète pas ma data sur mon téléphone quand je suis là-bas, comme j'ai pas la Wi-Fi. Enfin, il y a un Wi-Fi, mais il y a tellement de parents sur leur téléphone que si vous voulez, la Wi-Fi, ça rame à fond, quoi. Donc voilà, écoutez, on va tirer et je vous reprends après. Bon ben voilà, on a fait notre sapin de Noël aujourd'hui. Ben voilà, il y a les chansons de Noël à la radio. Et voilà, synchro parfaite. Parfaite. Nickel, on est parti pour un mois de musique de Noël non-stop à la radio. J'adore. Bon voilà, on vient de rentrer. Il est 9h15, on s'en fout, demain il n'y a pas école.
Je suis trop contente parce que, en fait, la coach, moi je vous avais dit, ouais, la Corée elle changera un peu en fonction de machin. En fait, elle change pas mal, elle a déjà changé beaucoup de choses aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça. Et du coup, elle a changé des passages, notamment quand elles font la roue en se tenant la main. Je suis un peu triste parce que j'aimais bien ce passage. Mais du coup, Lana en fait se retrouve toute seule à ce moment-là. Il y a deux pyramides qui se sont formées au lieu d'une. Et ouais, dans son placard. Et bref, Lana du coup fait une partie de tumbling toute seule. Alors c'était que... mes chaussures, c'était les chaussures. Non, c'est pas les chaussures de chien, les chaussures de chien sont dans la voiture. Donc toutes les autres sont occupées à faire deux pyramides en gros, et elle est toute seule par terre. Et en fait, elle me dit, la coach, ça me fait trop plaisir, elle dit, en fait, c'est l'une de mes meilleures tumblers. Donc du coup, bah, je la garde pour qu'elle fasse ça elle, parce qu'en fait, ça va nous faire gagner des points en notes de tumbling, quoi. Donc voilà. Du coup, elle doit faire apparemment un enchaînement qui est pas facile. Elle était un peu dépitée tout à l'heure. Le bonhomme. C'est quoi les deux trucs que tu dois faire? Les deux figures que tu dois faire? Cartwheel, swing through, back walk over, kick over, back walk over, kick over, back walk over, kick over. Mais maintenant, c'est front walk over, front walk over. Enfin, comme... tu vois tout le truc bleu là, on fait... Tu traverses où ils étaient les deux là. Ouais. C'est gros là où tu t'as fait là. Là-bas, ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire des front walkover tout de haut bout jusqu'à la fin. D'accord. Bah ouais. Bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc du coup, ça m'a fait plaisir que... Qu'elle dit ça d'elle, parce que au final le tumbling c'est le lundi soir, donc je me dis tous ces lundis soirs que j'ai passé au cheer pendant 4 heures, c'était pas pour rien. Voilà, donc ça c'est cool. Ouais, t'as reçu ton livre, faut qu'on le... il l'a lu papa? Il t'a lu? Non. Bref, bah écoutez, voilà, on va vous laisser là. Lana va aller au lit, Nico et moi on va manger. Elle a mangé entre le cheer et le tumbling. On a commencé The Sinner saison 2 hier, mais là ce soir avec le vlog que j'ai à monter, et vu l'heure qu'il est déjà, je suis pas sûre qu'on ait le temps de se poser, surtout qu'en plus le vlog il faut que je mette de la musique machin, c'est encore un vlog qui va me prendre 10 ans à monter, donc je sais pas, ou alors je le monte demain matin, hein, je sais pas, je suis un peu perdue. Et donc voilà, et ben demain journée un peu plus calme. Lana elle a un playdate avec les filles du cheer demain après-midi, toute l'après-midi. Tous les... Non, il n'y a pas tout le monde, mais il y a pas mal de petites qui viennent quand même. Je te dirai, j'ai les réponses des mamans. Et donc voilà, bref, on vous tiendra au courant demain de la journée de demain. On espère que le vlog il vous a... Oui. À deux. Et bi. Oui. À demain. J'ai la dalle. Du coup, on mange. Ah. On mange quoi? Pour manger quoi? Je sais pas. Mais dis pas que vous mangez ça. Non, on mange pas ça. On a mangé hier déjà. Allez. Enfin, samedi.